Aïe, je suis vraiment filmé une autre vidéo sur Occupation Double. Salut tout le monde, c'est Jessica et je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, en fait ce soir, parce que Occupation Double vient tout juste de terminer et je vous filme déjà cette vidéo pour revenir sur le dernier épisode où qu'on a appris le gagnant. Si vous l'avez pas encore vu, que vous voulez pas savoir le gagnant même s'il va être écrit partout, écoutez pas cette vidéo parce que c'est de ça que je parle ce soir. Ouh, my god! Avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à donner un thumbs up aussi à la vidéo si vous l'aimez à la fin, là, quand vous voulez. Ok, j'ai tellement vécu d'émotions ce soir en écoutant Occupation Double. Je vous jure, j'ai passé par toutes les émotions. J'ai pleuré, j'ai crié, j'ai ri, pour vrai, j'ai tout fait qu'est-ce qu'on pouvait faire dans une émission. Cette vidéo n'est vraiment pas préparée, c'est vraiment, j'y vais sur le fly, je vous parle de ce que j'ai vécu, comment j'ai vécu, ce que j'ai pensé de la finale et tout et tout. Oh my god! Okay. On va commencer par les débuts, je vais revenir un petit peu sur chacun des couples, que selon moi l'opinion. Si vous n'êtes pas d'accord avec mon opinion, je vous inviterai à me la partager en restant respectueux dans les commentaires ou à juste pas me la partager puis pas écouter la vidéo si ça me dérange. Genre, attendez-vous pas à une vidéo super intelligente. Si vous voulez avoir une vidéo instructive, allez sur le site de DocuD. Mais ici, on va parler d'Occupation Double. Ok, le premier couple, on va parler de PH et Jessie. Ok, ça, bien honnêtement, c'était pas mon couple favori. C'est vraiment pas mon couple coup de cœur. Je les trouvais beaux ensemble, sauf que je trouvais que c'était beaucoup. Genre, on s'entend que ces deux personnes-là, ne se sont jamais vues à l'extérieur. Genre, tu peux pas savoir si t'aimes une personne pour vrai quand t'as juste vécu la game d'Occupation Double. Je suis désolée, là, mais genre, c'est impossible, là. Genre, tu sais pas comment que la personne est dans la vraie vie avec sa job, avec tous ses cousins, ses amis, ses... Tu le sais pas, là. Je veux dire, c'est normal, là, c'est Occupation Double. Puis... c'est ça, fait que c'était vraiment pas mon couple préféré, puis je sais que pour plusieurs d'entre vous, c'était votre couple favori. Mais moi, honnêtement, ce couple ne me faisait ni chaud ni froid, c'était juste, d'après moi, qu'il allait trop vite pour la game. C'est vraiment mon seul commentaire à dire sur ce couple-là. Bien honnêtement, dans les trois couples, c'était comme lui que je voulais moins qu'il gagne. Tu sais, ça m'aurait rien fait s'il avait gagné, mais je tenais plus aux deux autres. Ensuite, Joanie et Cendric. Aïe aïe, qui nous ont donné de l'émotion. Genre, moi là, ce couple-là, tu sais, malgré que j'ai fait une vidéo pour défendre Joanie, un petit peu parler de respect, c'était pas non plus mon couple le coup de cœur. Selon moi, ce couple-là jouait vraiment très bien la game. C'était vraiment un couple qui jouait la game comme il faut. Tu sais, ils ont mis de l'action. Ça, il faut leur donner. S'ils avaient gagné, probablement que j'aurais mis ça sur l'action, puis honnêtement, ça m'aurait pas dérangé qu'ils gagnent, justement parce qu'ils ont tellement d'action, ils nous ont tellement divertis durant toute la saison que peut-être qu'ils auraient mérité de la gagner, la maison. Puis tu sais, j'ai fini ma dernière vidéo en remerciant Joanie d'avoir été là puis d'avoir mis de l'action, mais je veux dire, c'est le couple qui ont mis de l'action. Tu sais, puis même Sandrine qui l'a dit à la fin, durant le souper, que tu sais, il a pas aidé au cas de Joanie, là. Genre, vraiment pas, mais tu sais, en même temps, ça donnait de la bonne télé à regarder. Bon, on va dire ça comme ça. Finalement, Adamo puis Alexandra. Wow. C'était mon couple favori. J'étais assez contente qu'ils gagnent. Genre, je voulais que ce soit eux qui gagnent, puis ils ont gagné. Je criais, genre, j'étais tellement contente. Adamo, il est tellement resté vrai tout le long. Puis, il était vraiment drôle, il a réussi à charmer tout le Québec d'après moi. Puis, bien honnêtement, je suis vraiment contente qu'il ait gagné justement parce que les deux, ils avaient pas l'air de jouer une game. Puis, tu sais, je pense pas que c'est un vrai couple parce que comme je disais avec PH puis Jessie, on peut pas vraiment être en couple sans savoir comment que la personne est dans sa vraie vie. Parce que tu sais, on s'entend que Occupation Double, c'est pas la vraie vie. Mais... tu sais, je suis sûre qu'ils vont quand même faire un effort pour apprendre à se connaître. Peut-être que ça marchera pas, mais j'étais contente qu'ils gagnent. Pas justement à cause du jeu de couple, à cause que les deux ils ont vraiment été vrais durant tout le long, puis qu'ils étaient divertissants, ils étaient beaux à voir, plus que toutes les autres d'après moi.
Puis, en tout cas, je suis tellement contente, genre, je capote. Je suis genre, j'en reviens pas, je voulais tellement que ce soit eux qui gagnent. Ils ont gagné, j'étais saisie. J'étais tellement contente, waouh, 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 tellement merci à tout le Québec qui ont voté pour eux. Ils étaient... Oh, mon Dieu. Ça me fait vivre des émotions, moi, occupation de... Ok, ouh, je vais me remettre un petit peu de mes émotions. Dans le fond, cette vidéo-là, c'était juste pour vous dire à quel point que j'étais contente qu'elle ait gagné. Je voulais vous parler aussi un petit peu des trois couples. Je sais que ça a comme été vite, mais je pense plus qu'il y avait grand-chose de plus à rajouter sur les trois couples. La dernière chose que je voulais vous parler, c'est que Occupation Double revient à l'automne. Genre, pour vrai, là, tout le monde me disait « Aïe, mais c'est sûr qu'ils reviendront pas à l'automne, ça a tellement pas marché comme émission, ils ont vraiment pas eu beaucoup de codes d'écoute, nanana. » Ok, mais genre... Wow! Moi là, Occupation Double, là, je l'ai dit dans plusieurs vidéos là, ben en fait, juste dans une, ben, en tout cas, puis dans l'autre que j'ai filmé tantôt, qui va être elle, après elle, en tout cas, c'est un peu fucker, mais c'est pas très grave. Puis je disais, ok, mais moi là, durant toute l'automne, ça a été mon sujet de discussion, genre avec tout le monde, genre, c'était comme mon sujet d'approche avec les gens, genre je leur demandais, hey, toi, est-ce que t'écoutes Occupation Double? Puis, là, c'était de ça que je parlais avec eux. Tu sais, j'ai commencé à écouter ça quand j'ai eu des petits moments dans ma vie avec toute Occupation Double. Genre, j'ai commencé à écouter ça, j'étais encore à Jonquière. Je pensais même pas à revenir à Rimouski. Genre, j'étais juste à Jonquière. Ensuite, devant qu'Occupation Double, j'ai eu ma mission, j'ai décidé de rester à Rimouski. J'ai tellement vécu des émotions. J'ai réussi à faire embarquer des gens qui n'auraient jamais embarqué dans Occupation Double en parlant genre à chaque jour. Puis, genre si vous demandez aux gens avec qui j'ai parlé durant le mois d'octobre et de novembre, genre ils vous le diraient que j'ai parlé de ça durant tout le temps. Genre... C'est sûr que je t'en parlais pendant minimum 10 minutes dans la journée, durant le temps qu'on se voyait. Fait que c'est ça. Okay, je suis tellement contente. Je suis tellement contente, je suis émue. Mais vous allez vous dire, voyons, mais t'as tombé pas de vie pour aimer autant que Passion Double. Mais genre, moi là, ça me divertissait. Genre, t'écoutes ça, t'es relax, t'as pas besoin de penser. Genre, c'est pas comme un film éducatif, là, genre, c'est vraiment, t'écoutes ça, puis tu te dis, ah, oh, ça, j'aurais pas fait ça comme ça à la télé, ça, ah, oh, ça a même allure. Puis, j'ai tellement tout écouté les épisodes que j'ai rentré dans l'histoire, puis je sais pas si je suis la seule, dites-moi si vous aussi, vous avez vraiment embarqué là-dedans, parce que ça me ferait vraiment plaisir de pas me sentir seule là-dedans. Mais, j'espère que vous aussi, vous êtes content du choix du public. Puis, faites-moi sentir moins seule en me disant dans les commentaires si vous aussi vous étiez tant dans l'histoire. Aussi, dites-moi c'est qui votre couple préféré. Même si moi je vous ai dit que PH et Jessie c'est pas mes préfs, vous, ça se peut que ça ait été vos préfs. Puis ça me ferait plaisir de vous entendre en parler en commentaire tant que ça reste dans le respect. Donc on va se laisser comme ça. Merci d'avoir écouté. Je voulais vous dire au début, c'est pas une vidéo très éducative, mais je suis bien contente de l'avoir faite et d'en avoir parlé avec vous. Fait qu'on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!